alors, mes frères. Frères premiers, second surveillant, assurez-vous que tous les frères rangés devant vos colonnes sont membres réguliers de la loge, visiteurs connus. Vénérable maître, les frères qui décorent l'une et l'autre colonne sont membres réguliers de la loge ou visiteurs connus. Il en est de même à l'Orient. Frères premiers surveillants, à quelle heure les francs-maçons repèrent-ils leurs travaux? À midi, vénérable maître. Quelle heure est-il, frère second surveillant? Il est midi, vénérable maître. Puisqu'il est l'heure du travail, frères premiers second surveillants, invitez les frères de vos colonnes à se joindre à vous et à moi pour ouvrir les travaux de la respectable loge des enfants d'univers en vient de Paris au grade d'apprenti en la forme accoutumée. À moi mes frères, par le signe, la triple batterie et l'acclamation. On déplace mes frères, les travaux sont ouverts. Mes frères, l'ordre du jour appelle l'initiation du profane Arnel. L'atelier a voté dans une précédente tenue la mission du dit profane. Nous allons donc ce soir le recevoir solennellement. Mon frère couvreur, veuillez aller chercher le profane Avenel qui a écrit son testament philosophique dans le cabinet de réflexion. Rigolo leur truc. Monsieur, veuillez me suivre. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? Vénérable maître, c'est un profane qui demande à être reçu maçon s'il en est du désir. Frère, armez-vous de vos glaives. Faites entrer le profane. Laissez-vous, monsieur. Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levé pour punir le parjure. Elle est le symbole du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous voulez entrer. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez parmi nous? Oui. C'est une institution qui ne procède que d'elle-même. Elle prend sa force dans la raison. Persistez-vous toujours dans vos intentions? Êtes-vous bien déterminé à vous soumettre aux épreuves, quelles qu'elles puissent être? J'y consens. En ce cas, confiez-vous à la main qui va diriger vos pas. Mais, comme il serait imprudent de s'imposer des obligations dont on ne connaîtrait pas l'étendue, il est de la sagesse de cette respectable assemblée de vous dire quelles seront vos devoirs si elle vous admet dans son sein. Le premier est un devoir absolu de secret sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous, ainsi que sur tout ce que vous verrez et saurez par la suite. Je dois exiger de vous un serment, prêté sur la coupe des libations. Consentez-vous à le prêter? Oui. Frère expert, faites approcher le profane. Et vous, maître des cérémonies, apportez la coupe des serments. Présentez la coupe au profane. Prononcez avec moi le serment. Je m'engage sur l'honneur, au silence le plus absolu, sur tous les genres d'épreuves qu'on pourra me faire subir. Je m'y engage. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous mentiez à une parole aussi solennellement donné, buvez. Buvez! Buvez!
Que ce breuvage amer soit pour vous le symbole de l'amertume et du remords, que laisserait dans votre cœur le parjure qui aurait souillé vos lèvres. Frère expert, emparez-vous du profane et faites-lui faire son premier voyage. C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe. Monsieur, le voyage symbolique que vous venez de faire est l'emblème de la vie humaine. Le bruit que vous avez entendu figure les passions qui l'agitent. Les obstacles que vous avez rencontrés peignent les difficultés que l'homme éprouve et qu'il ne peut vaincre ou surmonter que grâce à l'aide qu'il trouve dans ses semblables. Frère expert, faites faire le deuxième voyage. Profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe, et qu'il soit purifié par l'eau. De l'eau qui représente l'épuration de votre esprit naissant à la vie maçonnique. Votre cœur doit être limpide comme l'eau pure. Frère expert, faites faire le troisième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe par les flammes. Monsieur, les flammes dont vous avez été environné ont achevé vos épreuves. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. Je vais maintenant vous faire prêter serment à la franc-maçonnerie. Frère expert, amenez le profane à l'hôtel. Mes frères, debout, à l'ordre et glaive aux mains. Moi, Pierre Avenel. Moi, Pierre Avenel. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. En présence de cette respectable assemblée de maçons. En présence de cette respectable assemblée de maçons. Je jure et promets solennellement. Je jure et promets solennellement. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. Dieu. Le serment que vous venez de prêter ne vous donne-t-il aucune inquiétude? Consentez-vous à le renouveler lorsque vous aurez reçu la lumière? Je le renouvellerai. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Frère Coudreur, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maillet. Thank you.
néophytes. Ces glaives que vous voyez tourner vers vous vous annoncent que tous les maçons voleront à votre secours si vous respectez et si vous observez nos lois. Mais ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères ?